mortalité de 1%. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Bien entendu, si vous ne testez que les gens en réanimation et vous testez tous les gens qui sont un peu malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la gravité de la maladie qui n'aura rien à voir avec la gravité de la maladie. Et la gravité de la maladie des gens qui sont en réanimation, généralement, est très grave. Donc moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables. Je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Comme pour les maladies infectieuses en général, du diagnostic. Nous, on a réalisé ce à quoi je m'étais engagé auprès du ministre, jusqu'à 1100 diagnostics par jour, d'accord, PCR par jour.